6 heures de retard. Vous êtes certaine? Qui j'ai au téléphone? Qui j'ai au téléphone? J'en sais rien, moi. Un type de chez vous. Il avait une voix de femme. Ça vous dit rien? Ah, les avions, ils sont aussi en retard. Alhamdoulilah. Ah, tant mieux. Mais il y a de la neige. Mettez du sel, mon vieux. Épandez. Tu dis, c'est lourd. Ah, ça, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd, hein. Ah oui. Et c'est les cadeaux, c'est la famille. Dorbea, Echevani, Dorbea. Tiens, qu'est-ce qu'elle devient, au fond, l'Algérie? Oui. T'as compris ce qu'il a dit? Mais non, mais comme il est noir et toi aussi. Ah, oh, il est beau, mon fils. Ah oui. Tu vois Brad Pitt? C'est lui, mais enfoncé. Ils n'ont jamais pensé que la France perdrait l'Algérie. Moi non plus, d'ailleurs. Mes amis ont perdu énormément d'argent. Énormément. En fait, dans mon quartier, la culture, elle était surtout radiophonique. Par exemple, on écoutait beaucoup Michel Sardou. Mon voisin, lui, écoutait plutôt « J'ai envie de violer des femmes !» Attention. Obiolette. Anderlecht champion. Orlé. Je voulais faire un métier qui soit à la fois proche des gens et proche de Dieu. Ouais, parce que si c'est pour finir dans un couvent avec Michel Martin et des gens à l'extérieur qui crient crève salope. Tu viens de quelle région, Léopoldine? Du Congo? Oh, bah t'es un peu chez toi ici alors, hein? C'est vrai, hein? À part la végétation, la nourriture, le climat, les vêtements, la couleur de peau et peut-être le prix des bananes. Ah, c'est ça, tu as lu Algérie tout de suite, tu t'es dit terroriste, c'est ça? Ah ouais, c'est ça, je suis une comique-classe. J'ai des bobs, s'il te plaît. J'ai pas d'argent, ma cash drum, s'il te plaît. Que je peux.